quelqu'un comme ça de nouveau là. Ça me dit la tout ça, donc c'est vraiment une fois que ça a été un chef. Samedi, je m'apprêtais à aller à Tibo, moi j'ai mon ministère à Tibo, j'ai eu des messages, je ne savais pas, et puis de vivre confirmé. J'ai pas pu avoir le programme de samedi. J'ai juste fait le baptême. Ce dimanche, je n'ai pas pu prêcher, c'est quelqu'un d'autre. Tout ça devient. Qui s'exprime, mais il y a Daisy Champion, Daisy, tout ça. Et puis, le truc qu'il m'a fait, c'est l'église, la venue de l'église, tout ça. Et donc, on s'est eu, tout le monde s'est eu. Ce matin, je t'ai appelé, je dis, ben, je vais quand même présenter les rencontres. Nous, on s'apprête ce soir, on s'appelle pour s'appeler, pas pour une croisade. Samedi, je pars pour France, pour ma tournée européenne, comme pour 3 mois. Mais franchement, je n'arrive pas à croire qu'en fait, je suis très abattu. C'est une mort très brusque. Le Seigneur a permis de réaliser ça. J'étais quand même dans les débuts, j'ai vu la construction et tout ça. Pour moi, c'est l'avenir de l'église, c'est un peu ça. Franchement, il fallait qu'on passe pour vous présenter nos condoléances. Je suis là pour ça, pour Dieu. Cette séparation était trop brusque. C'était vraiment très brusque. C'est un frère, on s'aimait beaucoup et tout ça. Et lui et moi, on envisageait faire beaucoup de choses. Quoi. Surtout que j'ai un studio, on en lui et moi, on parlait. Certaines choses dans le style de ce nouveau sport. Mais hélas, Dieu a décidé autrement. C'est la volonté de Dieu. Mais pour vous encourager, le Seigneur l'a utilisé à bâtir quelque chose. C'est vous qui allez continuer. Voilà, donc on tenait quand même à vous épauler
sur moi, vous apporter mon soutien, parce que c'est ça, il a commencé, et c'est nous qui allons continuer. Donc il fallait que je passe pour vous épauler dans ces moments difficiles. C'est nécessaire, c'est pas facile. Surtout toi, je t'ai toujours vu avec lui, toujours avec lui. Tu sais, on a épousé, tout le monde a parlé de beaucoup de choses. Moi, je n'arrive pas à croire. Je ne m'arrivais même pas. Franchement, je n'arrivais pas, mais on ne peut rien, c'est la volonté de Dieu. Je ne m'arrivais même pas. En regardant, c'est la volonté de Dieu. Je suis encore sous le choc. Samedi, je n'ai pas pu. J'ai même dit à l'église que je ne peux pas prendre la parole pour prêcher. Puis dimanche, du tout. Parce que moi je pense de l'avenir de l'église, c'est ça qui me préoccupe. C'est mort, c'est de lui est sorti un grand temps comme ça. Gloire à Dieu, les enfants spirituels. Mais comme Dieu sait faire des choses, Dieu seul sait maîtrise beaucoup de choses. Il a aussi pensé à tout ça. Il a décidé. Franchement, du courage, que Dieu vous fortifie. C'est très dur, parce que ça m'a été plus. Ils n'ont pas encore arrêté de date, tout ça. C'est quoi? C'est la famille. C'est le même. C'est le matin. Est-ce que nous associons? Est-ce que l'église associe à ça, tout ça? Normalement, c'est l'église qui doit gérer tout ça. C'est comme toi en contact, je pense que. Moi, franchement, je voyage le samedi. À ça, je pense aussi à réfléchir. Parce que il a travaillé, le Seigneur est parti. Chacun aura son tour. C'est justement ça qui. Ça, moi, je pense aussi, parce que je suis pas immortel. Voilà, je ne suis pas immortel. On a tous un jour partout. Il est parti. Voilà, donc c'est. Toutes ces carences ont fait mal. La vie, la mort de Lazare qui a fait mal à Jésus. Ça fait mal, c'est douloureux, du courage, franchement, du courage. Voilà, lui vient d'arriver dans le ministère, ce qu'il a réalisé, comme tant de monde n'a pas encore fait. Et pour nous, c'est. Moi, je lui disais toujours ça. Franchement, je vois, moi, je te confie ton appel. Je l'ai toujours dit, tu confies, parce que c'est les œuvres. Voilà, on dit, on ne reconnaîtra pas les fruits, c'est les œuvres qui sortent. Ça, là, ils pouvaient construire, avoir des maisons, s'acheter des maisons, des maisons, des maisons. Il s'investit là, Dieu l'a inspiré à construire un grand bâtiment. Prière du Seigneur, ce que j'ai est en train de venir. Voilà, c'est gloire à Dieu, mais je prie que ça continue. Voilà, je prie que ça continue, c'est ma prière, pour que le Seigneur vous fortifie et que de par vous, l'œuvre continue. Voilà. Parce que je pense bien que si Dieu l'a pris maintenant, c'est qu'il a pensé à tout ça. Dieu ne fait pas les choses. Cette séparation. Connaissant Désir, je sais, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de la plus près. Va doucement, mais sûrement. Voilà, doucement, sûrement. Lui, on en parlait quand il était dans ses débuts. Je lui posais la question maintenant. Tu m'inquiètes dans ce temps. Gigantesque, il dit, mais je suis un berger, donc je fais l'enclos. Il va envoyer les brebis. Il dit, mais comment? Il dit, mais c'est Dieu qui envoie les chapeaux. C'est beaucoup de choses dans tout ce qu'il disait, tout ça. Donc, on se côtoyait, on se parlait. Mais c'est une confirmation de son ministère. Voilà, ce temple a laissé c'est une confirmation de son ministère. Je pense que Dieu a pensé à tout ça. Je tenais.
tenais quand même à dire à quoi toute l'Église que le Seigneur vous fortifie, c'est bon. Je vous encourage. Nous autres, on ne vous lâchera pas, en tout cas, moi, en tout cas, je ne vous lâcherai pas. Je serai là de temps en temps, vous soutenir moralement, c'est important, c'est ça. Dieu a fait que moi je sois à l'intérieur. J'ai toujours dit aux gens, mon employé qui est Dieu, il y a d'autres qui l'appellent Abidjan, qui travaillent à Abidjan, il y a d'autres qui l'appellent intérieur. C'est vrai que j'ai une maison ici, mais moi on m'affecte à l'intérieur. Et c'est là que je suis en train de travailler. Moi c'est cette année que je dois commencer une église de 2000 places. Voilà, donc c'est cette année en août on pose la pierre d'une église de 2000 places. Moi on travaille à l'intérieur. J'ai commencé à construire l'orphelinat, j'ai fini. Maintenant on va commencer à construire l'église. Il a été affecté ici. Il a commencé ici. C'est pour le Christ. Voilà, c'est travaillant tous pour le Seigneur. Pour la même cause. Là, tu sais. Voilà, donc du courage. Franchement, du courage. Il nous a juste dévancé. Voilà, et là, la mort, c'est un retour de Jésus-Christ pour chacun. Voilà, donc franchement, du courage. C'est un ancien de l'église et aussi le vice-président de l'ONG que je dirige, la Fondation Prophète Joie Christ. Elle aussi, c'est une mère. Elle, Afrique Vision, aux États-Unis, c'est eux qui géraient tous mes programmes. Elle a une chaîne de télé aux États-Unis, à New York, elle est venue justement pour un projet au niveau des TIVO. J'ai aussi partagé la chose avec elle. Elle est par même d'ici, c'est mercredi. Demain, elle-même, ça va faire un demain. Elle est venue pour réaliser un projet ici. Elle est rentrée. Voilà. Que tu veux. Je n'ai pas grand-chose à dire. Tout ce que je peux dire à votre suite, c'est de dire aux jeunes frères, plutôt voir l'œuvre qu'il a établie, on dit simplement qu'il a choisi de ne pas mourir. Il a choisi de ne pas mourir. Retenez cela. À travers ce que je viens de voir, parce que moi c'est la première fois que je vis. Le prophète est habitué à lui, ils sont souvent ensemble. Bon, on le connaissait sous l'aspect artistique, parce qu'il a fait des morceaux qui nous ont tous plu. Mais ce côté divin, là, je pense qu'avec ça, il a choisi simplement de ne pas mourir. Voilà. Toute ma compassion et mes condoléances à lui.
parmi ses enfants suscite encore des gens. La continuité de cette œuvre. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifie chacun d'entre nous. Au nom de Jésus que je prie. Amen. Cela, j'ai dit, hein.